Ça, c'est à qui, voilà. Ça, Jean-François, c'est quoi ça là? C'est pas Ricola, c'est la même. Les spectacles qui viennent ici, ils se changent, ils aillent douche. Tandis que là-bas, c'est juste pour les associations. Ah, aussi, il y a une salle. Ouais. Ouais. Là, tu vois, derrière, là, tu peux. Les douches. Il y a des douches vestiaires, douches, par exemple. Ici. Voilà. C'est quoi? C'est les WC handicapés ici. Ouais. Avec les portes adéquates, je connais. Là, pour justement, pour pas que derrière le bar, c'est un tas de trucs là. Mmh. Les mecs qui font un peu les frigos, tout ça. Et là, on est en train de faire une pièce ici, là, en bas. C'est Rouget, ils m'ont fait sur mesure. Là. Qu'est-ce qu'il y aura là? Là, ici, tu vois, le point d'eau, les frigos, ouais. Les congélateurs. Pour pas que tout soit derrière le bar, c'est pas assez grave. Pour qu'ils puissent, quand il y a des guides de grenier, tout ça. Ah, ils veulent pour faire des choses. Non, faire les frites et tout ça à l'extérieur. Faire le grillage ici. Ah oui, de la graisse aussi, la graisse. On a fait une dalle là pour qu'ils puissent se mettre propre, tu vois. Non, la graisse. Ouais, parce qu'après, sinon. C'est la ramasse aussi. Ah, ça n'était pas ça à l'époque. Ça n'était pas cette portée, chaque fois. Non. Les toilettes femmes. Les toilettes femmes ici. Voilà, ici. Puis. Ici, toilettes hommes. D'accord, oh, chouette. Oh, c'est énorme. Chouette. Oh, c'est superbe ça, pour danser. C'est génial. C'est quoi ça? C'est des grandes dalles hein? C'est quoi? C'est du ciment? Non, ça c'est du béton ciré. Béton ciré, ouais. On a fait les imprimages, on a changé les luminaires. C'est tout du LED maintenant. Tout du LED là. Tout ça, c'est la clim et le chauffage? Non, la clim, il n'y en a pas ici. C'est la chaîne chauffage. J'ai la clim ici pour... C'est le chauffage? Ça, c'est le chauffage. Ouais. Là, ici, il y a... Tout ça, c'est les cuisines? Ça, c'est voilà. Là. Mm-hmm. Voilà. On va faire bon, il faut qu'on amène encore des plateaux inox, là, des tables inox. Là, on sert tout. La préparation, le froid ici, tout le froid là. Derrière moi. Et d'accord. Après, quand on arrive de la salle, à côté, c'est la plonge. La plonge. Et on sort par là. C'est grandiose, hein? Ça change, hein, de ce que c'est. Et il n'y a rien à voir, mais c'est que c'est. Il n'y a pas. Pourquoi tu n'y vas plus? Ah, on y va, c'est. Ça va bien, quand tu cherches. On peut tuer le cochon ici. Pour laver. Oui, il y a les portes sont intégrées dans le décor, quoi. Ah, oui, oui, d'accord. Il n'y a pas de poignée. Il n'y a pas de poignée, d'accord. Ouais, c'est astucieux. Là, qu'est-ce qu'il y a là? C'est là, il y a double porte parce qu'il faut que ce soit coupe-feu. Coupe-feu. Et c'est quoi qu'il y a là, Jean-François? Là, c'est des rangements. Les chaises, les tables. Donc là, c'est pour mettre les tables et les chaises. Hein, les tables et les chaises. Voilà. Ça a été fait ici à De Salitis à... Ah ben De Salitis à Russec. À Russec, ouais. Complètement à Russec. Tout a été rien, là. Toute la ligne aérienne, ouais, c'est pour ça qu'ils ont placé avant qu'on termine. Ils ont placé avant qu'on termine le transport du voilà. Ah, et ils ont fait les traversées de route déjà. D'ailleurs. Ah, et nous, en plus, là, tout ça, on a refait. Donc à partir de là, si tu veux, on a tout bétonné. Quoi. Oh, c'est bétonné tout ça là. Ouais, non. Il y a eu ça de béton. Putain. Voilà, tout est bétonné là. Ah, c'est ferraillé tout. Ah oui, 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 là, tout est. Ah, c'est magnifique. Hein. Oh. Ah oui. On retrouve ce que c'était, hein. Aux inondations, c'était terrible, hein. Les trous qu'il y avait. Et là, c'est toi, c'est la commune ou c'est l'Europe que vous l'avez? Et bien là, non, non, l'Europe, non. Là, c'est les financements d'État. Là, on a fait un enrouchement de tout ça. À partir de là, on a tout enrouché, là. Tout ça, oui, le Russec était enroché, quoi. Tout ça, là. Et je ne suis pas indiscret, là, Jean-François, mais tu avais les finances pour faire tout ça ou... Et bien là, c'est les financements. Il y a l'État, il y a le département et la région. Ah. Tu vois tous les rochers qu'on a là, on a renforcé les murs là-bas, tu vois. Oui, renforcé les murs, béton, oui. Hein, putain, ouais, t'as... Ah, de là, toi, on a fait des enrochements partout, là. Ah, oh, 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 oh. Mais là, regarde derrière toi, là-bas, les enrochements, au niveau. Tu vois, on a fait une poutre béton tout le long, ici. Regarde. À partir de là, tout ça, c'est une poutre béton. Et là, on a repris la poutre béton, tout le jusque là-bas, et tout bétonné, 20 cm béton. Tu vois, ici, il y a une poutre tout le long, là. 20 cm, ouais. Et après, il y a une poutre béton d'un mètre là qui coince la berge de ruisseau, tu vois, jusque là-bas. Pour éviter l'effondrement quoi. Et en plus là-bas, on a mis des pieux. Tu vas voir, on les voit là. C'est un ruisseau qui vient de la Garrigue, ouais. Et qui alimente le Russec. Tu vois, regarde. D'accord. Ça aussi, il y a de l'eau qui venait de là. Oui, là, malheureusement, on a fait des cadres et on a mis des embranchements.
Ah, ça fait du boulot quand même. Tous les ruisseaux ont été curés. Ah oui, peut-être faut mettre tous les atouts de l'autre côté. Hein. Tu vois, les ruisseaux comme ils sont curés maintenant. Et là, on a refait le pont entièrement. Le pont est magnifique. Oui, il est magnifique le pont. Non, il n'était pas comme ça avant, dis donc. On a fait le pont entièrement. Là, ah, avec tous les enrochements en amont, il y en avait. Il y en avait, d'accord. Alors ce pont, chaque fois qu'il y a une inondation, il partait. Quoi. Là, on part en direction de. C'est incroyable, ça, ce que vous avez fait. Ah non, mais si je te le dis, c'est pour ça que quand j'en parle. C'est dingue. C'est pour ça que quand des fois je râle, parce que les derniers, ils disent, ouais, vous avez rien fait depuis 3 ans. Mais je dis, on a un territoire de 25 km². Ça, c'est que la vallée du Wissek. Tu vois, là, il y avait des sources qui coulaient sous la route. On a capté, on a fait des traversées de route, tu vois. Regarde, c'est là, là, je vois. On a modifié des montées pour qu'elles aillent se mettre l'eau dans les trucs, là. Tu vois, ici, là, on a fait des ruisseaux partout. Pour que l'eau qui arrive de ravinement, et puis on a fait des passages, tu les vois là. On les voit, ouais, 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 ouais. Les passages pour l'eau là, d'accord. Ah, ici, il a fallu péter dans le rocher là. Ça, je me souviens. Parce que là, il n'y avait plus de route là. C'était ouais. Non, ces cailloux blancs que tu vois, c'est ce qu'on a pété dans les rochers là. Mais la route a contourné là, je me souviens. Ça, ça a été fait tout à fait au début ça. Ouais, et là, on est monté, on a goudronné jusqu'à la rue Seclero. Là, jusque là-haut, tout est repris. Ça, ça aussi il était foutu celui-là. Ouais, on a élargi ici, on a tapé dans le truc, on a, tu vois, on a les enrochements, et on a tapé dans la butte là-bas aussi. Là-bas, oui, vous avez élargi la route en tapant sur la butte, d'accord. Bon, hein. Vous avez refait complètement tout. Regarde l'eau qui t'arrive là quand même. L'eau qui arrive là. Oh là, c'est arrivé là. Ah oui, oui. Et oui. Elle arrive en haut l'eau. Hein. Que, ça ravine, hein, puis ça tombe dans le. Quand ça t'arrive là en période de sécheresse, tu vois pas. Tu vois tous les ruisseaux, regarde les ruisseaux, tu vois. Les terres ont été curés, quoi. Pour les passages de trucs et tout. On suit 4 km, hein. 4 km, c'est dingue, là. T'as 800 000 euros, là. Ah oui, quand même. Eh oui, le pont et tout. Les ponts, l'autre pont de Russie, quoi, on l'a renforcé, et on l'a élargi. Ce que fait Claude là, maintenant, tu devrais le montrer à beaucoup de personnes. Comme ça, mais ouais, mais il faut faire des voyages organisés. Ouais. Ben ouais. Parce que là, c'est que Russie, mais si je t'emmène sur Casablanca, ah ben si oui, je t'emmène de l'autre côté vers Paris. Malheureusement, ça ne se voit pas, tu vois. Mais c'est non, ça ne se voit pas, c'est ça. Les gens te disent, ouais, ici, ouais, là, on a fait une plateforme pour les camions des poubelles. À la poste et tout, tu vois, parce qu'il y a des habitants là-haut. On a fait un plateau de retournement, tu vois. Là, tout le bois qu'ils ont enlevé là. Une partie, hein, une petite partie. Hein. C'est magnifique l'autre. Et là, regarde, t'as une route maintenant, regarde, magnifique. Hein. Tout ça, ça a été refait. Ah, tout refait, tout refait. Donc, ça fait des kilomètres, quoi. Tu te racontes ce que ça fait comme kilomètres. De Saliti, ça là, il y a combien? 4 km hein. En tout, il y a 4 km. 4 km. Hein. Et là, t'arrives sur Wissek. Ah. La carte postale. Voilà. Je suis jamais. Tu n'es jamais venu ici? Non. Tu n'es jamais venu? Tu ne connaissais pas ça? Non, c'est magnifique. Ou quoi? Ah, non, Jean-François, je te le jure. Ah, si, c'est bon. Et là, c'est Olivier, non? Il n'est pas derrière, hein, je ne pose que pas. Soumbiel, ça. Ah non, mais un territoire, nous, 25 km². Hein. Ah, quand même, oui. Pour te donner une image, par exemple, c'est 5 fois la superficie de Villaraye. Pour te donner une image. Avec 3 vallées. C'est-à-dire la vallée de Regdalval, c'est-à-dire celle qui arrive à Villegaillé, la vallée de Wissek ici, et l'Orbiel. Et l'Orbiel. Alors regarde un peu avec tout le chemin que tu as trouvé, l'entretien de tout le chemin. Oui, voilà, là ici ça a été en rocher, toutes les berges ont été en rocher. D'accord. Les mecs avaient les camions, déjà ils m'ont foutu par terre. Là on a fait ce passage, parce que ça c'est sympa. Voilà, et là, c'est sur des kilomètres. Hein. Les pistes de la garrigue, là. Voilà, comme ça, au moins, ça fait coupe-feu, tu vois. Là aussi, c'est un sacré boulot. Ça a été élargi, bien sûr. Alors, le mec, il passe à des broyeuses, tu vois. Après, voilà. il tasse. Et puis, ça sert de coupe-feu, non? Et puis, ça sert de coupe-feu, c'est ça, ouais. Et la circulation pour la cabane de pompiers, quoi. Voilà. Et puis aussi, pour les camions, au moins, ils peuvent aller d'un endroit à l'autre, tu vois. Ah non, puis c'est moins chaotique, hein. Là, hein. Et après, ils font des coupes comme ça. Ça, c'est fait pour que l'eau, oui, quand il pleut beaucoup, au lieu de dévaler, hop, elle s'engage, tu vois. Et il y en a tout le long, j'ai vu. Voilà, voilà. Il y en a tout le long. Là, ouais, on va vers l'en bas. Merci.
ce retable. 16e siècle. 16e. Donc, il a eu deux restaurations. Il a eu une restauration au 18e et une restauration au 19e siècle. Aussi. Et bien sûr, avec le temps, après, les vernis jaunissaient, on ne voyait plus rien. On ne voyait plus tous les détails que vous voyez maintenant, de toutes les scènes. Donc, il a été entièrement démonté. Donc, elles ont enlevé, bien sûr, toutes les salissures, les vernis, et ainsi de suite. Et après, reprendre tous les bois, il y a un travail énorme, il y a plus d'un an de travail. Un jardin ici des lumières indirectes pour le soir, des bandes. Voilà. Il y a là derrière, vous avez vu qu'il y a un puits. Oui, il va montrer. Elle tombe pas cette maison. Ah non, non, c'est normal. Bon, ciao, Jean-Loup. Allez, ciao. Vendredi 6h. Bon après-midi.